Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une vidéo assez spéciale. Je voulais vous faire écouter cet audio d'une jeune fille, donc une jeune fille de 13 ans, qui s'est fait abuser par un monsieur. Je voulais vraiment partager ça, partager un max, parce que les gens, le monsieur, il doit être arrêté. Toutes les personnes qui ont participé à cette affaire doivent être arrêtées. Donc, plus on partage, plus on en parle. Puis les autorités pourront faire vraiment quelque chose parce que pour l'instant, il y a que les trois suspects qui sont arrêtés, mais le monsieur, il n'est toujours pas arrêté. Donc, un max de soutien à cette petite et à sa famille parce qu'en tant que mère, moi, en tant que mère et en tant que grande sœur, c'est des choses que j'aimerais que les gens en parlent et partagent puisque. Voilà, c'est notre rôle en tant que femme aussi. Donc, je vous laisse écouter. N'hésitez pas à me laisser en commentaire ce que vous en pensez. On est venu d'abord quand c'était. On était à la maison avec maman. Maintenant, elle m'a dit non, accompagne-moi, je vais aller déposer mon dossier chez l'un des amis de Sylvain. Là, j'ai dit ok. On est parti. Maintenant, arrivé maintenant là-bas, comment on appelle ça? L'homme là. Ah, il est en train de parler avec maman Hall, non, mais le truc de dossier. Maintenant, après, c'est là où maman Hall a dit, non, moi, je n'ai même pas le téléphone, l'ancien téléphone, le petit téléphone, moi, je n'ai même pas le téléphone, machin, voilà. Après, m'a demandé à moi, je cherche le téléphone, j'ai dit, non, je n'ai pas le téléphone. Après, il disait à maman, oh non, ta fille est belle, ta fille est belle. Après, c'est lui, il a dit, bon, je vais vous acheter le téléphone. Ah oui, il a donné l'argent à maman Hall, maman Hall a acheté le téléphone, la tablette de Maggie et son téléphone. Après, quand j'étais chez maman, Roxane a demandé le numéro de maman à maman Aude. Je sais pas si elles ont fait, je sais pas si elles ont fait un plan. Maintenant, Roxane a appelé maman. Elle a dit à maman, non, je suis la nièce de Aude. Je voulais prendre Wally pour venir passer la nuit avec moi. Elle a dit à maman que on devait aller à un anniversaire. Moi, je me disais que c'était l'anniversaire d'Emma. Maintenant, quand Roxane est venue me chercher, on est allé à la sauce créole, elle m'a acheté une glace. Maintenant, on s'est assis dans un bar à côté. Maintenant, après, elle m'a dit non. Je ne sais pas si tu te souviens d'un gars qui s'appelle. J'ai dit non. Elle m'a dit, oh si, j'étais allée j'étais allée chez lui avec un moment où j'ai dit, ah oui, je me souviens, à la Sabia. Elle m'a dit oui. On m'a dit non, on n'est pas à l'anniversaire, c'est là-bas là où on part. Je dis ah ok. Après on est d'abord après elle a dit non mais avant d'aller là-bas on part d'abord chez moi. On dit ok alors on est parti. Maintenant arrivé chez elle, quand on est au cas là où elle reste là-bas, elle a dit non moi je rentre allons d'abord dans la chambre tout le monde va parler. Je dis ok. Maintenant rentrant dans la chambre, elle m'a dit non attends-moi dehors je parle là-bas avec maman Marla. Elle s'est parlé avec maman Marla au téléphone. Après maman Marla mon poulain me parlait, maintenant elle a dit non, Wally, tu vas partir chez lui. Tu fais tout ce qui te demande. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir ce que je vais te faire. Après, j'ai dit, oh, maman, moi je ne veux pas. Elle m'a dit, tu fais. Si tu ne fais pas ça, tu vas voir. Après, j'ai dit, ok. Après, quelques minutes après, il a appelé Roxane, il a dit, oh non, bienvenue, il nous a retrouvés à côté vers la pharmacie locale. Hein. Ma protection est partie. On est monté dans sa voiture, on est parti. Ils nous ont emmenés à Ngondje. Quand je cherchais, dit, hey, toi tu cherches un hôtel. Mais il est parti à Ngondje. À Ngondje, là, il a un hôtel. Il est en train de construire un hôtel là-bas. On est passé là-bas où on est parti. Maintenant, la deuxième fois, elle a essayé de joindre maman. Quand elle essaie de joindre maman, maman l'a fait comprendre que non, Wally n'est pas avec moi, elle est avec ma mère. Elle persiste. Après, c'est là où elle m'a appelé, elle m'a dit non. Wally, quand ta mère va t'appeler, tu dis que tu viens faire la soirée pyjama chez moi. J'ai dit ok. Avant, c'est là où elle ne faisait que m'appeler. J'ai dit, depuis là, je n'ai pas encore reçu maman. Alors que je parlais avec maman et maman ne me demandait pas ça. Maintenant, maman m'a appelé, elle m'a dit que non, toi, ta soeur là, elle me demande trop que tu passes faire la soirée pyjama chez elle. Et que tu veux partir. J'ai dit non, je ne veux pas partir. Maman m'a dit ok. J'ai laissé. Maintenant, avant-hier, quand on était au salon, maman Aude a appelé.
Elle a d'abord appelé Tanti Bella. Elle a demandé à Tanti Bella, non, je veux parler à Wally. C'est là où ça s'est coupé. Elle a appelé Yachoupi. Après, ça, ouais, elle est en train de me parler. Non, Roxane va venir te chercher. Elle est dans la cime. Après, je lui dis, mais maman, au moins je regarde Marvel. Elle a dit, non, ne regarde pas Marvel. Laisse, Jérémy va s'occuper de Marvel. Après, j'ai dit, mais maman, on a dit non, là, Jérémy va s'occuper de Marvel. Roxane arrive te chercher, va t'apprêter. Ah ouais, elle a coupé. Je suis partie, je me suis apprêtée. Avant de partir, Toti Barbara tente de me parler. Elle me parle après. Quand on est parti, Roxane me disait, non, ta tante te disait quoi, ta tante te disait. J'ai dit, elle ne m'a rien dit. Après, elle m'a dit, j'espère seulement qu'elle n'est pas au courant, t'es Wally. J'ai dit non, elle m'a fait, j'espère que tu n'es qu'elle n'est pas au courant. Toi, dit si non, j'ai dit elle n'est pas au courant. Non, elle a dit non, on va quoi? Ça me fait du mal. Sinon quoi? Ça me fait du mal. Mais elle m'a dit non, on part chez une locale, il s'appelle Alexis Douna. Il appelle Excellence. Il m'a dit on part chez lui. Après j'ai dit oui. Il m'a dit à la sablière. On m'a demandé est-ce que tu es déjà parti là-bas. J'ai dit oui. On m'a demandé avec qui. Après j'ai dit avec maman. On a dit ah ok. Maintenant quand elle est venue, on est parti au Rivoli. On est avec sa copine. Après au Rivoli, on a pris le charme. C'est là où on s'est séparés. Il est venu nous chercher. On est parti chez lui. On a tenu là-bas, lui il est sorti. On est en train de la tonne. C'est là où maman a appelé. Maman a demandé à Roxane, est-ce que Wally peut venir passer le week-end avec moi? Après c'est là où Roxane a dit, oh non, je ne sais pas, Tati Kelly. J'essaie d'abord d'appeler Tati Haute pour demander. Après, Roxane a essayé de joindre maman Haute. Maintenant, quand il est revenu, maintenant, après, quand on a fini, il m'a donné 250 000. Après, il est en train de parler avec Roxane. Il parlait avec Roxane, il parlait. Maintenant, Roxane est venu me faire comprendre qu'il était en train de parler de son école. Puis là, il a dit que c'est lui qui paye l'école. C'est lui qui l'inscrit à Ouassi, machin. Il a dit, ah, ok. Maintenant, hier, petit Barbara m'a fait comprendre que les 1 million que maman Aude a dans son sac, c'est lui qui a remis ça à un moment où il m'a vendu au Carla. Maintenant il y a Tati Barbara et moi on est parti à l'espère, on a fait le flash, on a appelé son pasteur, on a expliqué la situation à son pasteur. Maintenant son pasteur, quand on a fini, il a prié pour moi. Après il a encore appelé Tati Barbara. Il a dit à Tati Barbara que il a eu une vision. Dans cette vision, il a vu les asticots. Il a dit à Tati Barbara que si pour que les asticots là partent, il faut qu'on réunit tout le monde, toute la famille, pour exposer le problème. Maintenant que les asticots sont bien sortis, qu'est-ce qui t'inquiète? Qu'est-ce que le monsieur a pensé? On a fait les rapports sexuels. Donc ça veut dire que la première fois qu'elle est emmenée là-bas, c'est une prise de contact avec le monsieur pour qu'après, derrière, elle envoie sa soeur pour ne pas qu'on dise que c'est elle. Mais pendant tout ce temps, elle me disait non, maman n'est pas au courant, maman n'est pas au courant, alors que c'était maman qui a encaissé l'argent. C'est quand même protégé. La première fois, oui, maintenant la deuxième fois, quand on a commencé. Okay, deux fois. Oui. Ok. Oui, mon frère, c'est un match. Je comprends pas comment une femme et mère de famille ou grande sœur peut rien faire des choses pareilles. Comment peux-tu vendre l'enfant de quelqu'un pour 1500 euros? 1500 euros. Mais franchement, j'espère que la justice sera vraiment sévère avec ces personnes et qu'ils vont vraiment purger des peines assez lourdes pour ne plus recommencer ce genre de choses.
Franchement, ça m'a fait très très mal au cœur. N'hésitez pas de partager cette vidéo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très 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 bientôt. On se retrouve avec une autre vidéo.